John Parutsky, bonjour. Bonjour. Alors, ça va? Tu es un des personnages principaux de la série Kaïd. Tu nous expliques un peu comment t'en es arrivé là? Arrivé où? Je joue dans la série. Ah! C'est une longue histoire. En fait, à la base, je suis chômeur. Et pendant les petits moments creux de la journée, j'envoie les CV. Et c'est là que t'es tombé sur l'annonce Kaïd. Écoute, on ferait peut-être pas des questions à chambulter, pas baisser. Tu vois, comme dans le jeu RTL 91. Alfio Morena, bonjour. Bonjour. Alors Alfio, tu es un des personnages de la série Kaïd. Ça. Tu es le Kaïd en fait. Exactement. Tu sais nous donner quelques infos sur le personnage? J'ai pas donné trop d'infos, hein, parce que déjà, j'ai pas envie de me faire tuer par le réel. D'ailleurs, il est au courant pour l'interview? Pas de souci, on a eu les autorisations, on peut te poser quelques questions. Heureusement, ça me rassure. Le juge, je crois que c'est 71, John, mais non, désolé, il n'y a pas de choix multiple. Ah, parce que ça déstabilise un peu tes questions, mais ça, c'est pas grave. En fait, les autres sont passés avant moi, quoi? Ouais, on en a eu quelques-uns. Et ils ont dit quoi? Est-ce qu'il est bon acteur, super comédien, séducteur Non, ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. Non, en fait, voilà, je me suis dit, John, il est temps que tu te trouves un boulot. Et je me suis penché du côté du cinéma. Et là, t'es tombé sur l'annonce Kaïd. Et là, je suis tombé sur l'annonce Kaïd. 12 épisodes de 5 minutes, 75 minutes de pur bonheur et de rire. Et n'oublie pas de liker la page. Tu sais que j'ai beaucoup d'expérience, hein? Ah bon? Les pauvres Roger sur YouTube. Eh ben c'est moi, en chair et en os. Ah, j'en ai entendu parler, c'est vrai. Ah, ben qu'est-ce que tu veux, Lout? Il y a les bons comédiens, et après, t'as des autres, hein? Ok. Et tu avais déjà joué avant ça? J'ai fait pas mal de grands films, ouais. Ça, c'est chouette, ça. Lesquels? Ben déjà, Les Ch'tis, où j'étais un peintre au bâtiment. Un peintre dans Les Ch'tis. Désolé, mais je me souviens pas qu'il y a un peintre dans le bâtiment dans Les Ch'tis, non? Ouais, ils ont dû couper la scène. Bon, maintenant, je comprends Giancarlo. Hein. Le mec n'a pas trop beaucoup les moyens, il n'a pas trop de thunes, et il a de la chance que c'est un pote. Hein. Parce que là, rac! Là, le chèque, c'est un nombre à six chiffres, hein, si tu vois ce que je veux dire. Ben bon, enfin, je joue aussi dans un film, A Man and Another One, à la queue leu en français. Ouais, je vois trop aimé. Tu nous expliques un peu combien ça prend, un acteur de ton niveau? Pardon? Pour le moment, je travaille gratuitement. Ok. Tu sais un peu nous expliquer qu'est-ce qui t'attire dans la série? Ah, plein de choses! Comme quoi? Ah, question piège! Ah, tu rends service à des potes, quoi? Non, c'est juste qu'ils veulent pas me payer. C'est tout. Ah bon? Ouais. C'est pourquoi? Bah, officiellement, ils disent que je leur casse trop les couilles, qu'ils n'aiment pas trop ma gueule. Ah, puis j'ai plein de choses. Dis-nous, allez, la première chose qui vient en tête, qu'est-ce qui t'a attiré tout de suite? Le début, déjà. Et officieusement, c'est que le courant, il passe pas trop, quoi. Enfin, le milieu Ouais, la fin, quoi, c'est ça. Le personnage Ah, voilà, les personnages, déjà. Super, okay. Ça. Tu joues le rôle de Renato, c'est ça? Voilà, Renato. Je suis le cousin des deux frères où je joue le rôle d'un vrai fou. Et ça a été pour te mettre dans le personnage? T'as pas eu trop de mal pour te... Ah, moi, j'ai toujours aimé frapper sur les gens. Déjà, je frappais sur mes copains quand j'étais petit, sur ma sœur. Enfin, en forme. Ok. Tu sais nous expliquer en quelques mots en quoi consiste la série Kaïd? Alors, Kaïd, c'est l'histoire de deux frères. Un mafieux élevé en Sicile. Et l'autre, gentil, élevé en Belgique. Il se revoit après 20 ans. Je vois que tu as fait un peu de prison, c'est ça? Bon, on peut tout dire, là. Ah, là, c'est un malentendu, hein. En fait, j'ai essayé de pendre mon frère avec le cap téléphonique, et tout le monde a cru que je voulais vraiment le pendre. Oh. Eh bien, merci à Thio. Le temps est écoulé, donc je te remercie beaucoup pour l'interview. Quoi, c'est une blague ou quoi? Attends, tu me fais venir pour une interview de 30 secondes? Ben ouais. Attends, mais tu sais pas qui je suis, moi? Ben non, enfin ouais, enfin non. Ok, et il y a d'autres choses qui te motivent dans la série? Ça l'est déjà, ça l'est! Ah bon? Tiens, je pensais que t'étais pas rémunéré, moi. Hein? Le mec, il sait pas qui je suis, il pose des questions à la con, et il sait pas qui je suis! Enfin, il y a autre chose qui t'attire dans la série? Non, mais qui c'est qu'on t'a dit qu'on n'était pas rémunéré ici? Ben c'est... Tous les employés, c'est ce qu'ils m'ont dit, hein? Non mais les gars, et c'est quoi ce bordel là? Non mais il est où déjà là déjà? Rends-toi ta gueule! Et toi, tu m'envoies la vidéo pour que je la montre à tous mes amis Facebook. T'as compris? Et toi, tu vas arrêter de filmer! Et toi, tu préfères... Avec?
Ou sans. N'hésite pas à mettre des commentaires et à partager. Eh oh, c'est quoi ce bordel? On n'est pas payé? Et toi, t'as intérêt d'aller liker la page. Sinon, je vais te retrouver.